Alors bonjour, je vais me prendre aujourd'hui contre Hybrid. Hybrid a une règle spéciale c'est que lui, il peut se fusionner avec un autre personnage, un autre villain dans la ville. Et puis, quand il est euh, bonded, ça veut dire qu'il est fusionné dans un certain, un certain sens, euh, quand, quand il est fusionné avec quelqu'un dans la ville, je vais sauver les bystanders au lieu de prendre des, sa mastermind tactics. Donc, ça, ça va rendre le jeu plus difficile encore. Euh, il lit les Live Foundation, donc euh, Riot, Scream, etc. Donc on va jouer avec les Live Foundation. Et puis en plus de ça, quand il fait une Strike, il y a un vilain dans, euh, un villain dans la ville qui va euh, bander avec lui. S'il est déjà bandé avec un vilain dans la ville, je vais prendre une blessure à la place. Donc voilà, ça c'est Hybrid. Je vais jouer aussi avec Symbiotic Absorption comme la scheme. J'ai 11 Twists dans le, dans le deck de Vilain. J'ai mis de côté un autre villain, donc j'ai pris la peine de prendre l'autre villain de, de, de l'extension Venom, qui est Poison Thanos, donc on va jouer avec les, tout ce qu'il y a dans l'extension. Euh, et puis ça, ça va, va s'appeler le drained, euh, le drained mastermind, donc c'est comme le mastermind absorbé, si on veut. Et puis euh, et puis je joue avec ses quatre tactiques à lui. Donc le, les premières twists, les premières quatre twists, ça va ajouter une tactique dans les tactiques de hybrid, je vais les mélanger. Après ça, les, les twists 6-8-10. Euh, je vais copier le Master Strike Ability du euh, de Poison Thanos, donc du drain Mastermind. Et puis la onzième twist qui sort, j'ai perdu. Donc ça, c'est vraiment. Euh, donc il y a un timer là. Euh, donc il faut que j'agisse le plus vite possible. Si une twist, il y a une, specia une special rule, donc une règle spéciale. Si une tactique. Ou une Master Strike qui mentionne le Drain Mastermind, ça veut dire Poison Thanos, je vais utiliser le euh, Hybrid Ablas. Je vais jouer, comme j'ai dit tantôt, avec les, euh, tout le jeu du, euh, de l'extension Venom. Donc je vais jouer avec les Life Foundation, les Villain Poison. Là ici, je vais être obligé de mettre les Killbots dans mon deck de villain parce que je n'utilise pas les mêmes dos de cartes. Et comme les, les, les Poisons. On peut les mettre dans notre deck. Donc j'ai dû mettre le deck, le, les cartes bleues. Donc éventuellement, je vais me faire des cartes expressément pour les poison, mais pour l'instant j'en ai pas. Donc à chaque fois que je vais sortir un killbot, j'ai un deck ici avec les cartes des poisons. Donc je vais sortir au hasard un villain qui va rentrer dans la ville. Comme ça. Ça m'évite de changer les. Euh, de changer les sleeves. Donc je vais mélanger ça comme il faut. Voilà, puis je vais faire mon, euh, ma pile de poisons. ici. Je vais jouer avec Carnage, Venom et Venom Rocket. Euh, dans mon deck de Bystander, j'ai mis, euh, mis tous les bystanders ainsi que les, euh, les New Mutants. Dans mon deck de, de sidekick, il y a les Pet Avengers. Je mélange tout ça et on commence. Alors c'est parti, on peut commencer. <coughs> Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis je sors Lasher. Lui Lasher en Ambush et un Henchman de ma Victory Pile. Qui euh, va faire un 6 de ban avec lui. Mais comme j'en ai pas pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. On va voir ce que je peux faire. Euh, donc j'ai 3 d'attaque et puis 3 de, euh, de recrutement. Je vais en profiter pour aller battre l'acheteur. Je vais utiliser 2 d'attaque. Je vais aller commencer à aller chercher mes. Euh, à remplir ma Victory Pile. Parce qu'il va y avoir une mécanique là-dedans. Euh, dans les cartes. Par exemple, si je prends Carnage. Euh, Carnivore Carnage. Euh, donc, Digest 4, ça veut dire que je dois... Si j'ai en fait 4 cartes dans ma victory pile, que ce soit des bystanders, que ce soit des villains, des mastermind tactics, euh, je peux euh, déclencher l'effet du Digest 4, donc Draw 2 Cards. Et si je ne l'ai pas, je fais l'indigestion, qui est euh, 2 de recrutement. Donc, voilà pour l'explication. J'ai 3 de recrutement ici. Euh, je vais aller chercher... Euh, je vais aller chercher plus de recrutement pour l'instant. Voilà. Donc, je vais chercher Carnivore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors quoi Agonie. Elle en ambush. Je révèle la top 3 cartes du villain deck. Et puis, elle va faire un symbiote ban avec, avec euh, un villain que j'ai révélé. Donc, j'ai le choix entre Scream, entre Dr. Carton Drake. Ou bien la carte qui est ici, qui va être Poison Hulk. Euh, donc si à Simbient Bond, j'aimerais ça qu'à Symbion bonne avec un, un, une carte qui, est, qui a un coup faible parce que quand ils sont bandés ensemble, on additionne les chiffres. Donc ça va me ça va coûter plus cher pour aller euh, euh, en fait, ça va coûter plus cher pour aller les battre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je vais la symbiote bonder avec Scream. Et puis Scream, elle fait son ambush quand elle rentre en jeu. Reveal the top card of the villain deck. If it's a henchman or a life foundation, uh, it symbiote bonds with Scream. Mais dans ce cas-là, euh, on ne peut pas créer l'effet deux fois. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ignorer cet effet-là. On ne peut pas symbiote bonder plusieurs personnages ensemble, seulement deux cartes ensemble. Donc, je vais faire ça. Je vais ignorer, pour cette raison-là, je vais ignorer L'effet de de, ambush, de scream. Mais normalement j'aurais dû faire l'effet d'ambush aussi. Je vais prendre les cartes qui restent. Je vais remettre Poison euh, Hulk sur le dessus du deck. Que je sais qu'il s'en vient. Je vais remettre les autres uh, in any order. Euh, donc je vais remettre Carlton Drake sur le dessus. Comme ça. Et ainsi mon tour commence. J'ai 5 de recrutement, 1 d'attaque. Je vais en profiter pour aller chercher une grosse carte. Je vais aller chercher Spring the Trap. Parce que ici, ça dit si il y a une Master Strike ou un Villain qui a un Ambush Ability qui est joué ce tour-là. J'ai plus un. Et puis tous les Master Strike sont. Euh, sont encore dans le villain deck. Donc ça va. Euh, ça devrait se déclencher. Donc ça me coûte 4 points de recrutement. Il me reste un point de recrutement un attaque. Il n'y a plus rien qui se passe. Mon tour se termine. Je brasse ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. OK. J'ai 6 de recrutement. On va voir ce qui se passe. Je sais que c'est Dr, euh, Dr. Carlton Drake. Lui, quand je, vais le, quand je vais me battre contre lui, chaque jaune et chaque noir qui sont euh, présentement dans le HQ coûte un de moins à recruter. Merci, Dr. Drake. J'ai 6 points de recrutement. Oh, wow. Ok, je vais commencer à m'équiper avec un Gruesome Feast. Tout de suite, 3 d'attaque avec un. Si je fais un Excessive Violence, donc ça, Excessive Violence, c'est si j'utilise plus de points d'attaque, si je dépense plus de points d'attaque que ce que ça me prend pour tuer un villain ou le Mastermind. Je révèle le top card de mon deck et puis je peux faire le call de la carte. Donc ça, c'est super payant. tout en partie, elle va sortir plus souvent. Et puis, euh, j'ai plus une plus grande chance, plus grand de, chance euh, de sortir des. Euh, des cartes dont je veux me débarrasser. Donc voilà, j'achète ça pour 6. Ça me prend tout mon tour. Je remplace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à maintenant, euh, pour l'avoir déjà joué, ce, ce, ce setup là, je pense que Carnage, c'est probablement mon personnage euh, que je trouve le plus fort du, du jeu. Mais je n'ai pas assez joué avec pour le savoir. Donc, je sors une carte, c'est le killbot. Ce qui veut dire que c'est Poison Hawk qui rentre en jeu. Lui, quand je vais me battre contre lui, il, il va aller se coller contre un autre villain dans la ville. Euh, en fait, il va, euh, il va faire un symbiote band avec un henchman euh, dans la ville. Mais s'il si est déjà euh, bandé avec. Euh, ou bien, si, il est, lui, si Poison Hawk est déjà bandé, ou s'il si ne peut pas bander avec personne, je vais le gagner comme un héros. C'est pour ça qu'il va revenir dans mon deck. Et là, pour l'instant, il est là. Et puis, il attend juste que je vais me battre contre lui pour aller se coller sur quelqu'un. Mais s'il n'y a pas d'henchmen, il ne sait pas qu sur qui se coller, donc je vais le gagner comme un héros. Ok, donc là, ici, j'ai euh, Carnage qui me donne deux points de recrutement, parce que puisque je n'ai pas encore quatre cartes dans, mon, euh, dans ma Victory Pile, je fais l'Indigestion. Donc, ça me donne deux de recrutement, éventuellement, ça va être pioche deux cartes. Donc, deux. 3, 4 points de recrutement et puis j'ai 3 points d'attaque. Avec mes 3 points d'attaque, je ne peux rien faire parce qu'ici, c'est une créature de 7, 5 et 5. Donc, je ne peux rien faire pour l'instant, mais j'ai 4 de recrutement. Euh, je vais aller chercher encore Venom ici, qui est Excessive Violence Draw Card. Donc, ça fait accélérer mon, euh, mon jeu comme ça. Donc, ça me coûte 3. Voilà, il me reste seulement 1. Mon tour se termine. Je remplace encore Carnage. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. <coughs> voilà. Lasher. Lui, il a ambush effect. Uh, villain, Henchman, uh, Villain from your Victory Pile, symbiote, bond with Lasher. J'ai pas de Henchman encore dans ma Victory Pile, donc Lasher va, faire, va bander avec personne. Mais il rentre tout de même en jeu. Et puis ici, j'ai Spring the Trap. Si une Master Strike ou un villain qui a un Ambush ability a été joué ce tour-là, ce qui est le cas, l'HE rentre en jeu, j'ai plus un d'attaque pour lui. Donc je vais tout de suite la mettre en jeu, j'ai plus un d'attaque pour mon Venom Rocket. Waouh, un gros tour d'attaque, j'ai toutes mes cartes de euh, Shield Trooper. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Puis j'ai un point de recrutement. Je pourrais tout de suite euh, frapper Agony. Pour 7 ou bien je pourrais aller attaquer la euh, hybrid tout de suite euh... hum, 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 hum. hum... <coughs> qu'est ce qu'Agony fait parce que dans le fond là, si j'attaque la, la combinaison de scream et agonie là, je vais je vais faire le euh, je vais aller mettre seulement une de ces deux cartes dans ma victory pile et puis je vais faire le fight effect d'un de ces deux là mais là je me rends compte qu'il y a aucune des deux a un fight effect. Bon euh... Bon ben c'est ça ce que là, je vais faire je vais aller battre hybrid pour 6. J'en profiter. Il est pas dans la ville donc c'est super bien. Je je révèle escape monstrosity euh, le fight effect, si c'est pas la Final Tactics, un vilain euh, dans la ville ou dans le Escape Pile, Simbit Bond avec, avec Hybrid. Bon, pas de problème, mais ça devient une carte de plus dans ma Victory Pile. Donc Hybrid, lui, va aller se coller à Lasher. Comme ça, ça va, faire, ça va être plus facile à aller le battre après. Il va faire une créature seulement de 8, puis en plus, il est loin du. Euh, je hein, peut-être que... Non, je pourrais pas, ne peux pas le mettre avec Agony. L'idée, c'est que peut-être que j'aimerais qu'il sorte dans la ville pour qu'il retourne le plus rapidement possible sur son, son deck de Master Strike, euh, de Mastermind Tactics. Mais ça n'arrivera pas. Je vais quand même le mettre sur, euh, sur Lasher pour pouvoir aller le battre rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je révèle une Scheme Twist. Donc la Scheme Twist, c'est que je prends n'importe quelle carte du Mastermind Tactics de Poison Thanos et puis je l'ajoute aux cartes de hybrid. En plus de ça, je dois faire le code d'une carte ici. Je vais aller euh, je vais prendre le Devouring Drool. Puis je vais la remettre en dessous du deck. Bon, et voilà, j'ai bien fait. Elle a été remplacée par la même. Mon tour commence. Ok, Gruesome Feast. Euh, ici, j'ai Digest 4, j'en ai juste deux dans mon deck pour l'instant, fait que ça va être deux points de recrutement. J'ai Excessive Violence là, mais je pense pas que j'ai quelque chose que je peux battre à 2. cette valeur. J'aurais pu battre Lasher, mais ce ne sera pas le cas ce tour-ci. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour recruter. Euh... Je pense que je vais aller chercher Carnage encore. Je suis vraiment un fan de Carnage. Et puis je vais aller chercher un Sidekick. Oh, puis j'ai encore plus de cartes. Et puis je vais avoir 3 que je ne pourrais pas utiliser ce tour-là. Parce qu'ici, c'est une créature de 7, de 5, de 5 et de 8. Donc ça ne me sert à rien. C'est très dommage. J'aurais aimé ça faire le KO d'une carte de mon deck. Mais ça va revenir. 3, 4. 5, 6. OK. Qu'est-ce que je sors Ce qui me twist encore. Donc je prends une Mastermind Tactics. Je la mélange dans le deck. Ici, si je reprends une carte. Ça va être. Uh, Devouring Drule que je remets en dessous. Spring the Trap encore. Parfait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une Excessive Violence Draw Card. J'ai 5 de recrutement finalement. C'est ça que j'ai. Je vais aller chercher euh, Rending Clause pour 3. Il me reste 2. Il me reste 2 de recrutement. Je vais aller chercher le Sidekick. Voilà, un sidekick classique. Mon tour se termine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors Riot. Lui, en ambush, je révèle le top card du Villain deck. Si c'est un Villain, il symbiote Bon avec. C'est pas un Villain, je le remets là. Et puis lui, quand je me bats contre lui, je KO un de mes héros. Pas de problème, mon petit Riot. Je vais venir te faire la peau bientôt. Donc... Ici, j'ai un sidekick que je vais utiliser immédiatement. Ça me fait piocher deux cartes. Une, deux. J'ai un, un beau Excessive Violence. Ça va être super. Donc, ici, j'ai euh, Indigestion pour avoir deux points de recrutement parce que je n'ai toujours pas quatre cartes dans ma victory pile. Donc, j'ai fait un, deux, trois, quatre. J'ai quatre points de recrutement. Euh, je vais voir avant qu'est-ce que je vais faire avec mes points d'attaque. Donc je vais avoir 6 points d'attaque et si je fais un excessive violence, je peux faire. Je révèle la top carte de mon deck et je peux faire le code de cette carte-là. Donc est-ce que j'ai quelque chose à 5 à battre? Euh... Oui. Oui, oui. Il euh, y a des choses à battre. Ici, Poison Hulk. Lui, il est intéressant. Euh, il va me donner 2 points d'attaque. Par contre, je n'ai pas acheté de verte encore. C'est moins hot que je pourrais. Mais je pourrais tout de suite m'en débarrasser. Donc, j'ai 5. Je pourrais utiliser mes 6 points. Je vais aller le chercher et comme lui en fight, il s'imbit de avec un henchman dans la ville. Il n'y a pas d'enchman en ce moment. Je vais le prendre dans mon deck. OK. Donc, euh, j'ai fait Excessive Violence. <coughs> je révèle la top card de mon deck. Je peux faire le cause de ces cartes-là. Et yeah, malheureusement, je n'ai pas le goût de le faire. C'est correct. C'est correct, Carnage. Donc, mon tour se termine ici. Euh, non, il se termine pas ici. Non. Je vais dépenser mon. Euh, je vais dépenser mon... L'argent que je viens de. J'ai pas fait d'achat ce tour-là. J'ai pas fait d'achat. Donc, j'ai 4 pour recruter. Euh... Je vais aller chercher Springtrap encore. Parce qu'il a fait la job. Donc, voilà. Le tour se termine. 1, 2, 3, 4. Alors j'ai 6 cartes, je révèle Esquim Twist. Donc je prends une Thanos mastermind, je la mets ici. Je vais les rebrasser tantôt quand je vais piger. Là. Et je fais le code d'une carte. Ça va être Devouring Drill. Voilà. Voilà, voilà. Et puis voyons voir ce que j'ai ce tour-ci. J'ai la Spring Trap. J'ai le carnivore ici. Donc, je vais utiliser ça pour avoir deux de recrutement. Ici, j'ai pas de Master Strike ni de, de Ambushability, donc ça n'a pas rapport. J'ai 5 et j'ai 3 ici pour me battre. Um, OK. Je vais aller me battre contre Riot avec 3. Ça ne change rien parce que j'ai pas de, de, de ambushability. Je vais aller me battre contre Riot. Je révèle la top card ici. Vu que c'est un villain, il va... Il symbiote Bon avec lui. Euh, non, pas vrai. Je KO... Ça, c'est un bouche. Je KO un de mes héros. Je suis désolé, j'ai vu la carte qui était là. Ça change pas grand-chose, je pense, dans, mon, dans ma partie. Là. Mais bon, euh, je KO un de mes héros. OK, merci, Riot. Je vais faire le KO d'un Shield Agent. Euh, non, pas tout de suite. Euh, j'ai mal joué. J'aurais dû euh, utiliser mes, euh, mes Shield Agents. C'est pas grave. Je vais faire le KO d'un Shield Trooper. Je vais utiliser mes 5 points d'attaque. Je vais aller chercher Serious Overkill. Si je fais une Excessive Violence, you may KO a Card from your hand or discard pile. Éventuellement, je vais pouvoir nettoyer mon deck. Ça va venir. J'ai espoir. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, on sait, on l'a tout vu, c'est un Circus of Crime. Je pense que je ne l'avais pas mentionné au début de la partie quand je fais mon setup. Euh, Ce n'est pas une carte officielle, mais c'est exactement le même texte que la carte officielle qui est une promo que je ne possède pas. Donc c'est pour ça que euh, cette carte-là peut vous sembler étrange. Là. Donc euh, Circus of Crime, quand je, le, quand je le fight, je révèle la top card de mon deck. Si elle coûte 0, je la co sinon je la pioche. Voilà. <coughs> ok, on risque d'avoir du plaisir ici. Justement, je pense que je vais en profiter avec le Circus of Crime. Je vais avoir 4, euh, 2 de recrutement ici, parce que j'ai toujours pas 4 cartes dans ma Victory Pile. J'ai 4, 5, 6. Je vais avoir Spring Trap pour 2, Excessive Violence Draw Card. Je vais aller me battre contre le Circus of Crime. Donc, je vais d'abord faire le Fight Effect du Circus of Crime. Je révèle la top card. Si c'est une 0, je la cause. c'est pas le cas. Sinon, je la pioche. Fait que je la prends. Voilà. Ensuite, je vais déclencher le Excessive Violence, parce que j'ai utilisé 4 points d'attaque pour attaquer le Circus of flame qui est juste 3. Ça me fait piocher une carte. Je pioche une carte. Maintenant, j'utilise mon Sidekick pour piocher deux cartes. Une, deux. Euh, ok, wow. Donc ça, c'est intéressant. J'utilise Poison Hulk, je vais avoir plus 2 d'attaque, parce que j'ai joué une verte avant. Et puis, j'ai Rending Claws. Donc je vais me rappeler que ces points d'attaque-là sont déjà utilisés. Donc j'ai Rending Class. Donc si je fais une autre excessive euh, violence, je peux piocher une carte. Et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'attaque. 7. Et puis je vais aller battre Dr. Drake. Dr. Carlton Drake en euh, Excessive Violence. Pour pouvoir piocher une carte. Je pioche une carte. Voilà. Moi j'aime ça. Piocher des cartes. Et puis, euh, ça fait que euh, Carlton Drake, lui, chaque jaune et chaque noir qui sont présentement dans HU coûte un de moins. Donc je pourrais acheter une carte de 6 jaunes, parce que là j'ai 5 euh, points de recrutement. Je vais aller chercher euh, Symbiotic Adaptation. Celle-là, c'est je choisis. Soit que j'ai plus 1 de recrutement pour chaque carte de recrutement que j'ai jouée. Ou j'ai plus 1 d'attaque pour chaque carte d'attaque que j'ai joué. Donc euh, voilà, c'est assez versatile. On va voir si ça va être payant. Mais comme je joue plusieurs cartes dans un tour souvent, ben, euh, ça risque de l'être. Donc j'ai cinq cartes dans ma euh, Victory Pair pour l'instant. Je jette tout ça. Je remplace mon achat. Wow, ok. Feast or Famine de Carnage. Celle-là est bien intéressante. Donc celle-là, si je fais Excessive Violence, je révèle la top carte de mon deck. Si c'est une, une carte qui coûte 0, je la KO. Et puis, euh, je peux répéter ça tant et aussi longtemps que je pige des cartes avec qui coûtent 0. 4. 5, 6. Là, je suis dû pour aller me battre contre hybrid bientôt. OK. J'ai un gruesome feast avec un 1, avec un excessive violence, mais d'abord il faudrait bien que j'ai une carte du top deck. C'est un acteur qui se fait prendre par euh, Lasher et euh, Hybrid. Un bystander. Ok, là je peux jouer mon tour. Donc j'ai un gruesome feast. J'ai shield trooper qui ne me serviront pas à rien. J'ai 4 points de recrutement. Avec mon 4 points de recrutement, je vais aller chercher... Euh... Hungry for action. Donc j'ai draw... discard a card and if you, if you do, draw a card. Et puis je vais tout de suite pouvoir l'utiliser ben, dès euh, que je vais la piocher parce que j'ai déjà digest 3. J'ai digest 5 maintenant, donc euh, c'est pas un problème. Ça va être ça, mon tour. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Euh, je tire ça. C'est un killbot, ça veut dire que c'est... Poison Spider-Man qui rentre en jeu. Lui, quand je me bats contre lui, il va se faire un symbiote bond avec un autre villain dans la ville. Mais s'il est déjà bandé ou s'il si ne peut pas, je le gagne comme un héros. Super. Donc, mon Spring Trap n'a pas d'effet puisque ce n'était pas un Master Strike ni un Ambush Effect. Ici, Digest 4, Draw 2 Cards. Je n'ai pas le choix. Si j'ai le Digest... Euh, je peux déclencher le digest, je n'ai pas le choix de faire l'ingestion à la place. Donc, ça, c'est une chose importante. Donc, j'ai pas le choix, c'est draw two cards. Une, deux. Même chose ici, draw two cards. Une, deux. Comme j'ai joué une verte avant, je gagne deux d'attaque. De euh, c'est quand même pas mal bon en poison hulk finalement. Euh, j'ai un point d'attaque ici. Je vais utiliser symbiote adaptation pour ramasser. Je vais choisir les points d'attaque. Donc, pour chaque. Ben, je ne sais pas, je peux aller chercher la, la carte de recrutement. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais jouer toutes mes cartes de recrutement ici. Et puis, je vais jouer Symbiotic Adaptation après. Je vais choisir les points de recrutement. Donc, j'ai. Est-ce euh, que ça va être assez Oui, je pense que ça va être assez. J'ai joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de recrutement. Donc, cette carte-là vaut 6 points de recrutement au total. Ça me donne 8. Donc, qu'est-ce que je peux acheter pour 8 Je peux acheter Feast or Famine qui frappe de 6. Et puis, si ça devient que je viens faire du Excessive Violence, je peux faire des KO de cartes et puis ça va être bien efficace si j'ai de la chance. Donc, je vais acheter ça tout de suite. Ça me fait dépenser tous mes points de recrutement, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. J'avais 6, 7, 8, 9, 10. J'avais même 10 points de recrutement. C'est fou. Il me reste 2 points de recrutement. Je vais aller acheter un Sidekick, Miss Lion. OK. Maintenant, pour l'attaque, j'ai une 2. J'ai une 2 pour le, pour le Spring de Trap. J'ai Poison Hulk qui a été déclenché par un, car euh, un carnivore parce que j'ai joué une verte avant. Donc, ça me donne 4 points C plus 2. Ça fait 6. Et puis, j'ai un Shield Trooper. Ça fait 7. Ça fait 7. Je peux aller me battre euh, contre... Poison Spider-Man, ça me, en fait, il va symbiote bander avec un autre villain, mais comme on ne peut pas symbiote bander plus qu'une fois, il ne peut pas symbiote bander, donc je le gagne comme un héros. Et puis lui, il vaut 2 d'attaque, et puis je révèle le top card de mon deck, si c'est une 2 ou moins, je la pioche. Donc ça, c'est bien. Je vais utiliser ça. Je peux rien faire avec mon attaque, je jette ça, et puis mon tour termine. 4, 5. Et là, j'ai déjà des grosses cartes dans mon deck, j'espère avoir du succès pour pouvoir battre Hybrid. Comme à lui seul, quand Hybrid est euh, sur son à son espace de Mastermind, la carte que je viens d'acheter de Carnage à lui à elle seule en fait la carte euh, peut le battre. Donc euh, c'est super. Il me manquait une carte. Je révèle ici Killbot. Euh, c'est Poison Doctor euh, Octopus. Lui quand je le, me bats contre lui il va se faire un de band avec quelqu'un à la banque, un vilain dans la banque, et s'il si, euh, est déjà bandé, ou bien si il peut pas, il ne euh, fait pas. Ok, j'ai beaucoup de cartes ici. J'ai beaucoup de cartes ici. Donc, ok, Spring the Trap ici, pas d'effet parce que j'ai pas déclenché d'effet d'ambush ou de, de Master Strike. Ici, j'ai excessive violence, joue à excessive violence, joue à la carte. Ici, j'ai excessive violence, you may KO a card from your hand or discard pile. Et puis, bon, j'ai un point de plus. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais aller battre hybrid. Je vais aller battre hybrid avec excessive violence. Donc, quand je bats hybrid, alors qu'il est bandé avec quelqu'un dans la ville, euh, je prends 3 bystanders à la place. Puis, lui, il retourne à son espace. Donc, je vais sauver 3 bystanders. Un public speaker qui me donne plus un recrutement, ce tour-ci. Donc, je vais me donner un, un recrutement avec un jeton comme ça pour m'en rappeler. Je vais le mettre dans ma victory pile. Euh, j'ai un banker qui me permet de recruter la carte qui est en dessous ici pour deux de moins. Je vais mettre ça ici pour me dire que j'ai un petit crédit. Et puis, j'ai un mutant. C'est Sunspot. Lui, euh, j'ai deux d'attaque et puis j'ai un d'attaque de plus si j'ai joué une verte avant. Donc, merci beaucoup. Spot. et puis ce New Mutant là, je vais le jeter parce qu'en théorie il n'est pas dans ma Victory Pile par contre, il va dans mon deck ok, ensuite de ça, j'ai deux Excessive Violence ici qui est Draw Card fait que c'est une, deux, et puis je vais j'ai aussi euh, Excessive Violence avec Serious Overkill je peux faire le code d'une carte de ma main de ma Discard Pile je vais faire le KO d'un Shield que je viens de piocher il me reste 3 points de recrutement. Il me reste 3 points de recrutement. Je vais acheter celle-ci pour 1. Parce que j'avais un crédit de 2. Je remplace. Et puis je vais aller chercher un sidekick pour mes deux autres points de recrutement que je n'ai pas utilisé. Voilà. Je pense que ça, c'est un excellent tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que Hybrid ne retournera pas euh, dans la ville de sitôt. Un scheme twist. Je mets la dernière twist de Thanos parmi les, Master Strike, les Master, euh, Mastermind Tactics de Hybrid. Et puis je KO une carte ici. Euh, ça va être. Euh, euh, ça va être Spring the Trap. Je pense que les autres sont meilleurs encore. Voilà. Ok. Ok. Je peux probablement être encore est en mesure de faire du Excessive Violence. Donc, euh, j'ai Digest 3. You may discard a card. If you do, draw a card. Je vais discarter un Shield Agent. Je vais piocher une carte. Un Symbiotic Adaptation. OK. Je vais jouer Gruesome Feast, qui est un Excessive Violence. J'ai Shield Trooper. J'ai Carnage, j'aurais dû jouer ça d'abord, j'ai qui me fait piocher deux cartes. Donc, j'ai deux... Shield Agent ici pour du recrutement. Je peux jouer mon Symbiotic Adaptation. Lui, je vais l'utiliser en attaque ce coup-là. Donc j'ai 1, 2, 3. Ça me donne 3 points d'attaque. Comme cela. Et je vais attaquer Hybrid avec. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me prend seulement 6 pour le battre. Donc je vais utiliser. Euh, je vais utiliser. Euh, j'ai 9. Je vais utiliser 7 de mes points. Pour me battre contre lui donc 1 2 3 4 5 6 7 il va me rester deux points d'attaque à garder pour ce tour là donc je vais battre hybrid une fois je vais euh, comme il y a des mastermind tactics mélangés là je vais euh, brasser ça un peu ok et puis je pioche celle là ok searing poisons donc each other player discard a poison card from their hand or gains a wound donc, est-ce que j'ai une Poison card de ma main? J'en ai pas. Donc, je gagne une blessure. C'est bien dommage. Mais c'est pas grave. Il me reste deux points d'attaque. De, je vais aller battre l'Asher. Parce que l'Asher, lui, euh, ben, il se passera rien. Donc, il n'y a pas de fight effect. C'est le temps d'aller me battre contre lui. Et puis si je me battais de toute façon contre Poison, j'ai pas assez de points d'attaque. Mais si je me battais contre Poison Octopus, il irait se bander avec lui. Donc je ne gagnerais même pas contre un comme un villain. Donc je vais en profiter pour aller battre l'achat et puis ça va me permettre en plus d'aller sauver l'acteur. Euh, et quand je sauve l'acteur, je choisis un héros du HQ et son d'un coup de 4 ou moins, puis je gagne son point, son nombre de points de recrutement euh, et d'attaque. OK. Donc il se prend pour un. Euh, ça me donnera rien ce tour-là. Je n'ai pas besoin de faire rien. Je n'ai pas rien à acheter. Il euh, n'y a pas de point de recrutement intéressant. Donc, euh, ben merci, mais c'est peine perdue. Je jette ça. Et puis j'ai trois points de recrutement. Je vais aller chercher Hungry for Action de Venom Rocket pour ne pas discarter des cartes. Poche, puis pouvoir frapper plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va accélérer le pas. J'ai une scheme twist. Donc ça ici, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e scheme twist. Il n'y a rien qui se passe. Euh, la Skimtooth est ici. Donc, de, de 1 à 4, je mélange une, euh, je mélange une Poison Thanos. Mais euh, c'est juste les 6, 8 et 10 qui vont avoir de l'importance. Tantôt. Donc, là, je dois quand même faire le code d'une carte ici. Ça va être le Razor Tooth. Ça va en dessous du deck. Ok. Wow. Carnage je me fait piocher deux cartes. Une, deux. Miss Lion me fait euh, sauver un bystander et piocher une carte. Donc, j'ai le Comic Shop Keeper. Lui, quand je rescue, je révèle le top 3 cartes euh, du Hero Deck. Et puis, un joueur de mon choix gagne un héros euh, de 3 ou moins. J'en ai pas. Et je mets le reste back in any order. Je vais laisser cet ordre-là, ça ne me dérange pas. Donc, merci, mais euh, ça aussi, ça n'a rien donné. Et puis, mon Miss Lion me fait piocher une carte. Ça, c'est intéressant. Je brasse. Comme ça, je pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai pioché deux cartes à cause de lui. Je le refais encore. 1, 2, Symbiotic Adaptation. Mon Poison Hulk, très utile jusqu'à maintenant, me donne 2 d'attaque de, supplémentaire. Euh... J'ai un beau Feast of Famine ici, puis j'ai plein de belles cartes dans ma main. Ça, c'est cool. Euh, je vais faire feast or famine. Donc j'ai six points de recrutement. Je vais faire excessive violence par contre. Donc je vais tout de suite le faire. Je vais utiliser 7 points d'attaque. je vais utiliser un des points de, de Hulk là, pour faire 7 avec lui. Je vais aller battre. Je vais aller battre hybrid. Donc je mélange ça. Je sors celle-ci. Ok, alien awakening. Si c'est pas le final tactics. Euh... Un euh, Symbiote Villain From Your Victory pile, Symbiote Bonds With Hybrid Fait que je vais aller chercher Un Symbiote Villain euh, Oui ça Ça s'en va dans ma Victory pile Par contre Donc un celle-là aussi Celle que j'ai joué tantôt Un Symbiote Villain C'est le Circus of Crime Il rentre en jeu Dans la ville Et puis Il Symbiote Bonds Avec Hybrid Ok C'est ça. C'est ça, c'est tout. C'était l'effet du, euh, du Mastermind Tactics. Donc, je pense que si j'ai assez de, assez de cartes dans ma victory pour montrer que je sème bien de avec tout le monde. C'est plus nécessaire. Donc, je vais, je vais déclencher l'excessive violence. Je révèle la top card. Si c'est une zéro, je la co Je peux recommencer. Et non, c'est pas une zéro. Je crois que ce n'est pas une zéro. Et je ne sais pas, il faudrait que je vais voir dans les règles, mais je vais considérer que ce n'est pas une, ok? Donc ce n'est pas euh, à coût zéro. Ouais. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec ça. Euh, donc je vais aller vérifier et je reviens. Bon, après une vérification auprès de, de ce que l'auteur a dit de, sur un forum en ligne. Donc les cartes de, de blessure sont considérées comme étant des cartes qui coûtent zéro. Donc je continue, je fais une, le KO de ma wound. Celle-là coûte plus 0, donc j'arrête là. j'ai quand même fait le code 3 cartes ce tour-là. Est-ce euh, que j'ai d'autres euh, excessive violence à déclencher? Non. OK. J'ai euh, Spring Trap ici. J'ai lui qui révèle la top carte de mon deck. Si elle coûte 2 ou moins, je la pioche. C'est une 3, je la laisse là. J'ai celle-là. Je peux défausser une carte pour pouvoir euh, en piocher une. Donc je la défausse. Je, pas. je la défausse, je la pioche. Ici, j'ai Hungry Faction encore. Je peux défausser une carte pour empêcher une. Je vais défausser un Shield Trooper au cas. Wow, j'ai un Gruesome Feast ici qui fait 3 d'attaque. J'ai un Symbiotic euh, Adaptation pour me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points d'attaque. Ouais, ça va être un gros tour, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Donc, je vais utiliser... Euh, je vais utiliser 10 points pour aller battre Hybrid. C'est dommage, mais c'est ça. Je vais utiliser 10 points pour aller battre Hybrid. Donc okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour pouvoir déclencher mon Excessive Violence. Donc, ce que ça fait, Hybrid retourne dans son, euh, dans son royaume. Euh. Et puis je vais sauver trois bystanders. 1 2 3. J'ai deux, Donc, deux mu New Mutants et puis un Rockstar. Quand je sauve elle, j'en sauve un autre, fait que, pas de problème. Les Radiation Scientists. Quand je le sauve, you make one of your heroes or a hero from your discard pile, je vais faire le co d'un Shield Agent. J'ai deux New Mutants, ça va être qui Ça va être le Heartless Computer Scientist et puis Karma qui va dans ma dans ma discard pile. Donc, et ça, ça me fait déclencher mes Excessive Violence. Donc, je révèle le Top Card de mon deck ici. Euh, et puis, je peux faire le KO si je veux. Je vais faire le KO. Ça, c'est mon Gruesome Face qui me fait faire ça. Euh, et c'est tous Les autres Excessive Violence ont été déclenchés. Maintenant, il me reste des points d'attaque à utiliser. J'ai euh, utilisé 10 ici. Donc, euh, j'avais 7 plus 10, 7 plus 3. C'est-à-dire, il me restait un point ici que je n'avais pas utilisé. Tout ce que j'ai utilisé, c'est mon... Fist or Famine. Donc, ça, c'est les cartes utilisées. Maintenant, ce qui me reste, c'est euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais aller bête Hybrid une première fois. Ok. Euh, c'est Desperate Rescue. You may gain a hero from the Poison Thanos Poison Soul Pile. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc, il n'y en a juste pas accumulé. Euh, ça va venir plus tard, par contre. Mais il n'y en a pas. Donc, c'est très triste. Euh, je ne peux pas le faire. Mais c'est pas grave, je le bats une première fois. Donc j'ai dit qu'il me restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Et puis j'ai utilisé 6 pour utiliser ça Donc 6, euh, 11 moins 6 Il me reste euh, 5 Je vais aller battre le Circus of Crime Pour 3 Je révèle le top card de mon deck Si une carte coûte 0, je la coho Sinon je la pioche, pas de problème, je la pioche Je vais l'utiliser, c'est un sidekick Ça me fait piocher 2 cartes Une, deux Waouh, wow. ok, c'est pas fini <laughs> Visiblement euh, je vais utiliser le Springtrap et le Ren euh, Rending Clause pour me donner 4 points d'attaque de plus. Je vais aller battre Poison Doctor Octopus qui coûte 3. Puisqu'il ne peut pas bander avec quelqu'un dans la, dans la banque, qui est cette case-ci, euh, case euh, je le gagne comme un héros. Voilà, et puis mon euh, Rending Clause me fait piocher une carte. Je pioche. J'ai un autre ici qui est complètement inutile. Fait que Je le joue. Parce qu'il faut bien que je joue mes cartes. Puis, mon tour se termine. Waouh. Ça, ça a été violent comme tour. Ça, ça a été vraiment violent comme tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est un killbot. Je pioche Poison Captain America. Lui, quand je le fight, euh, il fight avec un autre villain dans la ville. Tout simplement. OK. Oh, ça, ça va être un plus petit tour, un tour plus tranquille. Donc, j'ai un Serious Overkill ici. Si je fais un Excessive Violence, ça n'arrivera pas. Et puis, j'ai 5 points de recrutement. Avec mon 5 points de recrutement, je vais aller chercher... Euh... Ah. Je vais aller chercher Carnivore. Tiens, ça me tente de piocher des cartes encore. Donc, je vais aller chercher Carnivore. D'autant plus que mon Hulk vert euh, il est déclenché par les cartes vertes. Fait que ça, c'est bon. 1, 2, 3. La rare de Venom vient de sortir. C'est pas négligeable. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors ça. Un autre killbot. Qui se trouve à être Poison Sabertooth. Lui, euh, il va... Quand je le fight, Simbit euh, avec un villain dans la Streets. Uh, street, street c'est cette case-ci. Okay. On se rappelle que je jouais avec le, 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 le playmat de villain et puis donc la ville est inversée, là. Euh... Voilà, donc c'est la même ragan que le reste, là. si euh, le villain est déjà bandé avec un autre, ou bien s'il ne peut pas, il s'en vient dans, dans ma pile. Ok. Euh... <coughs> donc je vais commencer avec Poison Thanos ici, eh, Poison Doctor Octopus, c'est-à-dire, c'est euh, Draw Card. D'accord. Celle-ci, le Devouring Drill, si j'ai joué une journée avant, je gagne 2 points d'attaque et 2 points de recrutement, c'est ça que je vais attendre. Par contre... Le Symbiotic Adaptation peut être bien intéressant. Ok. Bon, qu'est-ce que je Dans quel ordre je vais jouer ça? Je vais jouer le Symbiotic Adaptation. Euh, le, le Spring the Trap. Je vais jouer Sunspot parce qu'il ne sera pas déclenché. Son effet spécial ne sera pas déclenché par rien. Mes deux points d'attaque. De, je vais utiliser mon Symbiotic Adaptation pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 points d'attaque supplémentaires. Comme ça. Et puis, comme j'ai joué une jaune avant, je peux avoir deux points d'attaque et deux points de recrutement parce que je fais la digestion et l'indigestion en même temps. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points pour me battre. Je vais aller me battre contre Hybrid. Je vais en profiter. Hey, il n'y a pas une Master Strike qui est sortie encore. J'ai vraiment de la chance. Alors, Poison Thanos. For each, uh, each other player puts a poison card from their discard pile into Poison Thanos Poison Soul. J'en ai pas, j'ai pas de discard pile. Merci Poison Thanos, ça a été bien le fun. Donc j'avais euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 moins 6, il me reste 8. Je vais pouvoir me battre encore contre Hybrid. Là je suis en train faire la peau tranquillement. Life Foundation Research. Donc j'ai plus 1 pour chaque Life Foundation villain à ma Victory Pile. Merci, merci. Donc les Life Foundation, ce sont les, euh, les Simbit. Donc j'ai un lâcheur ici. J'ai un riot. J'ai un autre lâcheur. Donc c'est trois. Donc je gagne trois points de recrutement. C'est tombé du ciel comme ça, gratuit. Vous pouvez m'aider, mais il est gentil de me le prendre. Donc j'ai cinq points de recrutement à utiliser. Je vais aller chercher... Euh, je vais aller chercher Hungry euh, for Action pour 3. Donc ça va me coûter 3 points de recrutement ici. Je remplace. Et puis avec mon 2, je vais aller chercher un beau petit sidekick qui est un sidekick classique pour accélérer mon deck. J'ai terminé. Ça a été très violent ce tour-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons voir. Je dois être d'avoir une Master Strike. Donc, euh, Symbiotic Armor. Lui, en ambush, il symbiote band avec le Mastermind. Et quand je bats le Mastermind, je, dé je, je défie le Symbiotic Armor et je KO un héros au lieu de prendre une tactics. Bon. Ah, ok. C'est correct. Ah, c'est de valeur. Je n'ai pas euh, le Spring de Trap dans mes mains parce que ça, c'est un ambush, donc je n'aurais pas plus un. C'est pas grave, je pense que je n'en aurais même pas besoin. Donc je vais jouer Karma, je révèle la top card de mon, euh, de mon du Hero deck. Si elle a un, des points d'attaque, je, euh, je gagne son niveau de points d'attaque. Donc j'ai. J'en ai deux. Comme ça. Digest 3, je peux défausser une carte pour en piocher une. Je vais défausser Artless Computer Scientist pour en piocher une. Wow, ok. Ici, j'ai euh, Excessive Violence, Draw Card. Celle-là, je peux défausser une carte et si je veux, je peux en piocher une. Ce ne sera pas nécessaire. Celle-là, je révèle la top card de mon deck. Ça elle coûte 2 ou moins. Je la pioche. Ce ne sera pas le cas. Ça a été une, une 3. Euh, puis j'ai Serious Overkill. Bon. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais aller me battre contre euh, 7 ici pour aller battre le Symbiote Armor. Et puis, ça dit que je... Euh, KO. One of your heroes instead of taking a tactic. Donc je KO un héros. Je vais faire le code Poison Spider-Man. Il est moins intéressant. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à cause du Poison Spider-Man. J'avais 12, j'ai utilisé 7 pour me battre contre Hybrid. Il me reste, il me reste 5. Euh, Captain America ici. J'ai même pas eu le goût de me battre contre eux autres, mais bon. Il de bonne avec un autre villain dans la ville si je ne veux pas faire ça. Lui il de bonne avec quelqu'un dans la street, il n'y en a pas, fait, je vais en profiter, je vais me battre contre lui, là, donc je vais utiliser mon 4 ici pour faire ça. Et puis c'est euh, Overkill, ça veut dire que je peux faire le KO d'une carte de ma main et de ma discard pair. Ça je vais en profiter par exemple, c'est l'effet de Serious Overkill ici, donc bye bye. Et puis je peux même faire Draw Card. Puis j'ai un autre comme ça. Bon, Mais ben, tant pis. C'est Pas grave, je vais euh, ma main commence à être mon, mon deck commence à être pas mal fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors un killbot qui se trouve à être un poison storm. Elle n'a pas de fight euh, de ambush effect. Par contre, euh, elle, elle va euh, symbiote bander avec un, un villain dans les rooftops. Rooftops, c'est le centre ici ou le bridge qui se trouve à être la dernière case là. Donc c'est la même chose, ça ne peut pas rien à mon deck. Ok, donc j'ai pioche deux cartes. Une, deux. J'ai une autre pioche deux cartes ici. C'est le fun. Une, deux. Mon Spring Trap me donne rien parce qu'il n'y a pas eu de Mastermind, Master Strike ou de Ambush Ability. Euh, ici mon Poison Hulk me donne deux d'attaque supplémentaire parce que j'ai joué une verte avant. Mon Gruesome Feast me donne 3 points d'attaque de, de, et puis je peux faire le code de top card de mon deck si je fais une si je, 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 je Excessive Violence. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, je vais en profiter, je vais aller battre Hybrid. Je vais utiliser mon effet d'Excessive de Violence. Donc, Soul Seize. Put all heroes that cost 5 or more from the HQ into Poison Thanos, Poison Soul. Donc, 5 ou plus, il y en a une. C'est celle-là. Donc je vais faire une pile ici que ça va être le Poison Soul, on ne la voit pas bien. Là. Mais y a une carte dans le Poison Soul euh, de Thanos. C'est surtout utile quand Thanos est le mastermind, mais bon. Et puis je, révèle, je vais faire l'effet du Gruesome Fee. Je révèle la top card de mon deck. Et puis je peux faire le code de ces cartes-là. Non merci. C'est la de. C'est la rare, de, la rare de, de Carnage. Je suis content d'avoir par contre. Et puis j'ai 5 points pour euh, acheter. J'ai je vais aller chercher carnivore euh, parce que bon ça marche tout le temps, je vais piocher deux cartes donc ça super. Voilà, je jette tout ça. La rare de la rare qui va me permettre de tuer hybrid. 1 2 3 4 5 6. Je révèle une la première Master Strike du jeu. Donc voilà, Hybrid, qu'est-ce qu'il fait Un villain euh, from the city, euh, symbiote bound with Hybrid. Donc je vais le mettre avec Poison Thanos. Euh, Poison euh, Storm. C'est pas grave, je pense que je vais garder le Bat pareil. Donc euh, je vais faire Draw to Cards avec Carnivore. 1, 2, C'est complètement dément. Je vais utiliser Sunspot, vu que j'ai joué une verte avant, j'ai plus 1 d'attaque. Je vais utiliser Dr. Topus Draw Card. Digest 3, je peux défausser une carte, mais j'ai pas le goût de défausser de carte. J'ai pas le goût de le faire, je le fais pas. Donc j'ai encore ça ici. J'ai Excessive Violence, ce qui risque d'arriver pour piocher une carte. Si j'ai une, une Master Strike ou une Villain, il y avait une Ambush Ability qui a été jouée ce tour-là, j'ai gagné plus 1. Un... Oh! C'est vrai, c'était une Master Strike. Donc la Master Strike me, me demande d'en jouer une autre. Ça, c'est une autre chose. Ok, attendez une seconde. Je remets ça en pause. Euh, puisque j'ai joué Master Strike, en solo, je dois jouer une autre carte. Donc je sors une Scheme Twist. Celle-là, je crois que c'est la sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a un effet spécial ici qui va se déclencher. The Mastermind uses the twist to copy the Master Strike ability of the Drained Mastermind. Donc là, je vais aller chercher Poison une Thanos et puis je fais son effet ici de Master Strike. Chaque joueur révèle leur main et met. Une, un de leurs héros non gris à côté de Thanos comme étant un Poison Soul Pile. Dans, leur, dans sa poison Soul Pile. Là, quelle carte j'avais J'ai bien trop de cartes là. J'ai une, deux, trois. J'ai une carte que j'ai piochée. Ok, attendez. Euh, j'avais au moins un Hungry for Action dans mes mains. Donc, je vais la mettre ici. De toute façon, j'ai même pas déclenché son effet. J'ai pas utilisé son effet, donc c'est pas grave. Donc je me, je me reprends bien là-dessus. Et puis je vais faire le code d'une carte ici, puisque c'est une, une scheme. Je vais euh, enlever elle. Voilà. Bon, ok, je continue. Euh, j'ai euh, Feast of Famine, j'ai Serious Overkill. Bon, et quand je vais faire l'excessive violence, il va se passer plein de choses. J'ai. Euh... Donc j'ai des points d'attaque. J'ai euh, pour ce qui est de mes points d'attaque, que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11 parce qu'il y avait une Master Strike. 11 plus 6, 17, 18, 19. Je vais utiliser euh, 10 de mes 19 pour aller battre Hybrid ici. Donc je le bats. Je le remets là. Je sauve 3 bystanders. Euh, bon, c'est l'Animal Animal Trainer, mes cartes ici me coûtent un de moins. Je pense que c'est pas important rendu là, là. Donc, je vais les garder. Je vais même pas déclencher leur effet. C'est une perte de temps. Ok. <laughs> ok. Donc, euh, j'ai battu avec un overkill. J'ai dépassé euh, 10 au lieu de dépenser 9. Je vais donc faire mes, euh, mes effets d'overkill. Euh, j'ai ici Excessive Violence, c'est-à-dire pas overkill. Excessive Violence, draw a card. J'ai Poison Sabertooth dans mes mains. Après ça, je peux faire euh, You Make KO A Card from Your Hand Or a Discard Pile. J'en ai pas. Mais je peux faire l'autre qui fait sa famine. Je peux révéler une carte de mon, du top de mon deck. C'est une KO, une 0, je la KO. C'est pas le cas. C'est pas grave. Il me, restait, euh, il me restait 9 à dépenser en attaque. Euh, 9, 10, 11 ici avec Poison Sabretooth. Je peux regarder la top card de mon deck, puis je peux faire le chaos si je veux, c'est karma. Euh... Ça me tente pas, je vais la laisser là. Donc j'ai euh, 11 points d'attaque. Je vais aller attaquer hybrid. Symbioted call. If this is not the final tactic, reveal the top four cards of the villain deck. An villain, you reveal symbiote bond with hybrid, put the rest back in any order. Donc 1, 2, 3, 4. Je prends la euh, circus of crime. Je la mets ici. Ici de bande, Oups, à l'endroit. Isimbi de bande avec, comme ça. Puis je mets le reste back in any order. Je vais mettre les skim twist » en dessous. Ok. Donc euh, j'ai donc j'ai battu hybrid. Là, là c'est juste pour l'honneur. je pourrais terminer hybrid une dernière fois. Je vais essayer de le faire. Euh, j'ai pas assez de points pour me battre contre lui par contre. Donc, euh, je vais. Euh, je ne vais pas me battre contre eux. Parce qu'ils simbidbanent l'un l'autre. Ça me tente pas. Je vais révéler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons voir ce qui se passe. On, je le sais que c'est une Master Strike. Donc, la Master Strike, ici, ça me dit. Euh, un vilain dans la ville simbidban. S'il est déjà bandé, je gagne une blessure. Fait Il n'y a pas de problème. Je gagne une blessure, mon pit. J'en joue un autre parce que c'est de Master Strike. C'est une scheme twist, puisque c'est la 7 e je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a rien qui se passe. Mais je KO une carte ici, ça va être Devouring Draw. Rendu à ce point-là, de toute façon, mon deck est rendu assez fort. Je n'ai même plus besoin d'acheter de cartes. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, Carnivore fait piocher deux cartes. 1, 2. C'est juste fou. Je pioche deux cartes encore. 1, 2. Carnivore encore. 1, 2. Ok. C'est juste super tuer le Mastermind. Là. Je vais utiliser mon sidekick. pour pêcher deux cartes. Une. 2 Et puis je vais jouer. Euh, Devouring Drool ici pour avoir deux points d'attaque. Je vais utiliser mon Shield. Excessive Violence. J'ai joué une verte avant. Fait Poison Thanos me donne deux points d'attaque. Ensuite, j'ai... Uh, Spring, The Trap, j'ai joué une Master Strike ce tour-ci, j'ai plus 1. Après ça, j'ai un autre excessive Violence, Gruesome Feast. Je vais utiliser Karma, je révèle la top card de mon deck, je copie le nombre de points d'attaque. Je copie 2. Et en finale, j'utilise Symbiotic Adaptation. Je copie plus 1 pour chaque carte que j'ai joué avec des, des, euh, un icône d'attaque, donc 1, 2, 3. 4, 5, 6, ça me donne plus 6. Bon. Ça ne devrait pas être une traînerie. Donc là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Je vais aller tuer hybrid ici. Je vais sauver 3 mais... bystander. 1, 2, 3. Je sais que je n'ai pas besoin de regarder bystander parce que de toute façon, j'ai 8 points pour aller rebattre hybrid ici, là, niveau 6. Donc, euh, ça me fait gagner la partie immédiatement. Euh, je dois avouer que j'ai eu peur. J'avais peur qu'il n'y ait pas de Master Strike dans le deck, mais visiblement, elles sont là. Donc, je fais la preuve qu'elles sont bien là. C'est juste que le deck était brassé comme ça. Euh, je trouve ça intéressant. Les, la mécanique avec les bandes, ça fait en sorte que les villains deviennent plus vite. C'est vraiment, euh, vraiment plus difficile à les battre. Euh, Carnage. Super, super carte. Code carte avec euh, piocher des cartes et puis euh, mélanger avec Venom, puis euh, Venom Rocket. Super. Poison Hulk a été ultra intéressante ce, durant cette partie-ci. Euh, Hybrid a été quand même relativement facile. Il me reste quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 moins. 1, 2, 3 tours. Parce que les Master Strike, je les remplace. Donc il me restait 11-3, il me restait 8 tours encore pour le battre et puis mon deck devenait toujours de plus en plus fort. Euh, donc pas un monstre très. Euh, pas un monstre très difficile. D'autant plus que la, le Symbiotic Absorption m'ajoutait des, euh, des Mastermind Tactics à l'intérieur. Donc il fallu je le batte. Il a fallu que je le batte 5 plus 4. Il a fallu que je le batte 9 fois quand même. Donc, euh, puis, euh, là-dessus, plusieurs fois, j'ai dû l'attaquer ici, puis c'était en vain, parce que, dans le fond, quand je l'attaque, qui est dans la ville, il revient là. Donc, j'ai dû l'attaquer au moins euh, 9 fois plus 2, comme 11 fois, à peu près, là, dans la partie. Mais, euh, mais bon, donc, un, je l'ai trouvé quand même assez facile, celle-là. Je ne crois pas avoir fait d'erreurs tactiques ni euh, de règles. Euh, donc... Voilà. Donc, je vais essayer tout ce setup-là, probablement avec une autre skin twist. J'ai l'impression que peut-être ce mélange-là est trop facile. Euh, J'ai mon oncle Benoît qui m'a proposé un scénario qui m'a dit qu'il avait trouvé très difficile. Donc, je vais, euh, je vais le tester pour lui, je crois. Donc, à la prochaine!